Concernant cette veste imperméable de chez Decathlon, donc de la marque Kalenji, elle fait vraiment, vraiment bien son job. Je suis contente de l'avoir achetée pour l'avoir testée donc sur un trail où vraiment c'était très 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 humide. Il pleuvait sans arrêt. Donc vraiment là, elle a été formidable. Elle a donc une capuche. Par contre, là, il parle qu'elle a une visière qui permet éventuellement d'empêcher les gouttes de pluie de tomber sur le visage. Là, je pense qu'il pousse un peu trop le bouchon. Non, non, c'est quand même pas une visière de casquette et la pluie, si elle veut tomber, elle n'est pas empêchée par ce petit bout de tissu. Donc, au niveau étanchéité. Là, je sais pas, on voit bien. Bon, je connais pas trop trop cette mesure. Mais apparemment, c'est de la bonne qualité. La fermeture est peut-être un peu dure. On a toujours l'impression qu'elle va dérailler, mais non, ça fait vraiment, on croirait que ça fait plastique, mais pour autant, non. Donc elle a des bandes réfléchissantes, éventuellement, si on veut courir sous la pluie. Bon, vraiment tip top. Ce que je peux lui reprocher, c'est elle fait du bruit quand on court. Et ça, j'ai un peu de mal. Ça fait un peu bruit de plastique. Et surtout, surtout, même s'il pleut, il ne faut pas s'habiller beaucoup dessous parce qu'elle tient chaud. Voilà, mais sinon, bon, le prix est peut-être un peu onéreux, 70 euros. Mais j'en suis contente et je la recommande. Voilà. Bonne course à tous.